je m'appelle Nicolas, mais on me surnomme aussi Pimpin dans mon entourage. J'ai 22 ans et je suis originaire de Vendée. Depuis 3 ans, j'habite à Valence car je travaille chez Specialized. Et ça fait maintenant 10 ans que j'ai découvert le VTT lors d'une randonnée dans mon village natal. J'ai démarré le VTT plus par sa partie et son aspect compétition avec le cross-country, donc que j'ai pratiqué pendant 5-6 ans. Lors de mon arrivée à Valence, j'ai vraiment reconsidéré ma pratique du VTT, plus l'aspect plaisir et dans la difficulté technique. Par ce biais-là, j'ai un peu délaissé la compétition pendant 3 ans, mais cette année, la compétition me manque. Et pour le coup, j'ai trouvé la compétition parfaite qui allie à la fois des qualités physiques et aussi des qualités techniques. Donc c'est bien sûr, grand nombre de VTTistes la connaissent, c'est la Transvésubienne qui part de la Colmienne et qui arrive à Nice. Donc c'est clairement une classique du VTT et quasiment que des sentiers, donc très peu de pistes. Donc vraiment de l'engagement à la montée, à la descente. En l'occurrence, pour cette course, j'ai décidé de choisir le tout nouvel Epic Evo. Donc ce nouvel Epic Evo, moi personnellement, c'est mon 4e Epic. Un nouveau millésime, un nouveau châssis pour l'Epic Evo qui s'inscrit vraiment dans une pratique que l'on appelle de plus en plus downcountry. Donc c'est-à-dire un vélo qui pédale très bien à la montée, mais qui est aussi très à l'aise à la descente. Donc on a ouvert l'angle au niveau de l'angle de direction. Donc l'Epic Evo peut proposer deux angles différents, un de 66,5 en position ouverte et un de 67 degrés en position fermée. Tout se joue au niveau du flip chip, au niveau de l'amortisseur qui permet d'abaisser ou de monter la hauteur du boîtier de pédalier. Je suis donc parti d'une base d'Epic Expert Evo dans laquelle j'ai ajouté quelques périphériques avec la collaboration de SRAM. Donc du coup au niveau des amortisseurs, j'ai choisi la SID Ultimate 120 mm avec ses plongeurs de 35 pour la fourche et l'amortisseur SID Luxe Ultimate à l'arrière avec son blocage au guidon en low cone afin de garder un poste de pilotage bien épuré caractéristique de l'Epic. En complément de ça, j'ai une transmission complète XO1 Eagle Access et une tige de selle Reverb Access. Pour moi, la technologie Access, c'est vraiment gage de fiabilité et de confort. Une partie très importante aussi, c'est les freins. J'ai donc choisi les nouveaux G2 Ultimate de chez SRAM. C'est des freins qui sont légers pour cette catégorie et qui offrent vraiment un bon contrôle et du mordant dans les freinages. Au niveau du train roulant, j'ai choisi les nouvelles Control SL de chez Roval. Donc c'est des jantes qui sont très très light, 1250 grammes la paire. Pour une route VTT, c'est très light. La jante large et les bords épais permettent un bon ballon du pneu et surtout de limiter les risques de crevaison par pincement. Il n'est pas rare que lors de la Transvésubienne, on doive porter ou pousser le vélo. C'est pourquoi j'ai choisi les Specialized Recon 3.0 qui offrent une semelle carbone du talon jusqu'à la fin de la cale et qui est plus souple sur l'avant du pied, ce qui permet d'être vraiment plus à l'aise lors des portages. Vous l'aurez compris, j'ai l'arme parfaite pour la course qui est la Transvésubienne.